Doudou, c'est vraiment toi le meilleur. Mon doudou. Je vais faire une machine, mon chéri. Tu me donnes ton doudou pour que je le lave? Non, pas doudou. Doudou, c'est mon meilleur ami. Je peux pas vivre sans lui. Je croyais que c'était moi son meilleur ami. Mais il est tout sale. Tu n'auras pas le temps de dire ouf que Doudou sera déjà tout propre. Ouf, c'est fini. Il est tout propre. Très drôle. À mon avis, il sent très mauvais. Fais voir, je peux sentir? Oh, l'instant camembert. Oh non, plutôt la crotte de nez, oui. Pas du tout. Il sent Doudou et c'est ça qui est bien. Moi aussi, je peux sentir. Elle est courageuse. Oh, Doudou doit prendre un bain tout de suite, tout de suite. Les doudous doivent se laver, comme les enfants. Mais pourquoi on doit se laver? Pour rester en bonne santé. Pour être belle comme moi. Doudou n'aime pas se laver. Bon, tu arrêtes maintenant. Donne-moi ton doudou. Non. Trois. À moi. Et hop. Tu voulais jouer avec nous? Fallait le dire. Non, je veux Doudou pour le mettre dans la machine. Oh. Je fais moins d'histoires quand on m'envoie chez le toiletteur. Oh, pauvre maman. Il ne veut pas lui prêter Doudou. Et à moi, tu me le prêtes? T'es qu'un bébé. Ouais, c'est qu'un bébé, c'est qu'un bébé. De l'attraper. Mais il n'y arrivait jamais. Parce que sa maman poule faisait très attention à lui. Hein? Doudou! Tiens, maman. Oh, pauvre doudou. Il est plein de taches. Des vilaines taches.
Allez, maintenant au bain. Est-ce que les ours blancs savent nager? Oh, tu crois qu'il va se noyer? On n'aurait pas dû aider maman à le prendre. Doudou! Que ce n'était pas long. Maintenant, Doudou est tout propre et... il sent bon. Youpi! Doudou va bien! Wouhou! Oui! Oui! Mais bien sûr que les ours polaires savent nager. Maman, quand je serai grande, je serai docteur. Très bien, ma chérie, c'est un beau métier. Mais tu sais, c'est dur d'être docteur. Il faut beaucoup travailler. Ah oui? Eh bien, je vais commencer maintenant. Faut que je m'entraîne. Regarde, j'ai mes outils. Ma seringue pour les piqûres, stéthoscope pour écouter le cœur, bandage, coton, désinfectant. Alors, quel est votre problème? Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est juste un moustique qui m'a piqué, c'est rien. Ce n'est pas rien du tout! Ça peut s'infecter! Ça peut être très dangereux! Il faut vous soigner! Voilà! Merci, docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Je vous en prie. Je vous laisse. J'ai un autre patient à voir. Ça va? Oui. Et vous avez été vaccinée contre le tétanos? Ben oui, deux fois même, je te rappelle. Et contre la rosicelle? Oh, pff, n'importe quoi. Hé! Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. C'est pour votre bien. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Mais arrête, je vais le dire. Dis donc, tu pourrais dire merci quand on te soigne. C'est vrai que c'est difficile d'être docteur, parce que les gens disent jamais merci. Mais j'y arriverai quand même. Aïe! C'est bien ce que je pensais. Vous avez la jambe cassée. Restez là, je vais m'occuper de vous. Plâtre prise rapide. Parfait! Ça ira très bien. Mais c'est froid! Qu'est-ce que tu fais? Tu me chatouilles! Ne regardez pas! Surtout ne regardez pas! Maman, qu'est-ce que t'as sur le nez? Elle veut être docteur. Bravo, docteur. Tu as vu ce que tu as fait? Comment je vais retirer ça maintenant? Oh. Tu sais, Toto, c'est dur d'être docteur. Parce que les malades sont impossibles. Mais ça fait rien. J'y arriverai quand même. Tiens, je vais essayer sur les chiens. C'est embêtant ce ronflement, ça vous gêne? Vous n'arrivez pas à respirer? Je vais arranger ça. Bon, je vais prendre votre température. Toto, reviens ici, espèce de trouillard! Oh, c'est dur d'être docteur, vraiment dur. Même pour les animaux. Parce que c'est qu'une bande de gros pureux! Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Hey, j'ai mal au ventre. Ici? Oui. Et là? Aïe, 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 aïe. Mon pauvre monsieur, il va falloir vous opérer. Ça doit être une appendicite. Oui.
vous souffrez? Je vais vous faire une piqûre. Ça va faire mal? Mais non, dormez maintenant. Hé, mais c'est mon ours. Je sais, mais il est très malade. Faites-moi confiance, monsieur. Je suis un très bon médecin. Il faut absolument que je l'opère. Il a une appendicite. Oh, je vais avoir besoin d'infirmiers. Vous ne voulez pas m'aider? Vous êtes qualifié? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? D'accord. Elle opère Doudou, mon ours. C'est grave, on va l'aider. Ciseaux. Pince. Mais... Oh! Infirmier! Infirmier! Épongez-moi! Oh. Je ne comprends pas. Où est-elle? Tu as fait encore? Ben, pour être docteur, tu as dit qu'il fallait travailler beaucoup. Si je peux pas m'entraîner, j'y arriverai jamais. Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Va dans ta chambre et reste tranquille. J'y arriverai quand même. Je serai docteur pour les poupées, ce sera plus facile. Pour une fois que c'est pas nous qui faisons des bêtises. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la gorge. Voilà. Oh, vous m'avez guéri. Merci, merci, docteur. La 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 la. Et vous, madame, quel est votre problème? J'ai mal à la tête. Voilà. Ah, oh, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci, docteur. Oh, oh, vous m'avez guéri. Au secours! J'ai avalé de travers un bonbon dans le mauvais trou. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, merci, docteur. Allons, allons. Je n'ai fait que mon métier. Ce n'est pas si dur d'être docteur, finalement. Maman, ça y est, je suis docteur. J'ai soigné mes poupées, elles sont toutes guéries. Viens voir. Voilà. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Tu te débrouilles bien. Je te prendrai comme infirmière.